Voilà, après une petite pause, je vous retrouve donc pour... Pas petite pause pour moi, mais quelques jours pour vous, je vous retrouve donc pour la fin du scénario d'Aqua. Salut à tous, c'est Xae. Et avant de nous diriger vers la fin de ce périple, nous allons se faire une petite save. Une petite sauvegarde. Et ma foi, eh ben, je pense qu'on est parti, mon kiki. Ça va être assez dur, surtout que j'ai que un soin X. Ouais, ça va être difficile. Est-ce que je n'aurai pas un deuxième soin X par hasard? Oui, mais il est pas au max. Fuck. Bon, tant pis, au moins j'en ai un deuxième, c'est déjà ça. Parce que c'est vrai que sans... Enfin, deux soins... Un soin X, ça fait un peu short. Donc on y va, mon attel. J'entends les vibrations sur d'être sur Twitter, vu que j'ai dit que dans quelques minutes, j'allais tourner la fin d'Aqua. Donc, juste avant de tourner, d'y aller... Ah, c'est ça, ouais. Voilà, on m'envoie des messages du genre « Bon tournage !» Good luck, Gambare. Alors juste pour vous, et je vais le dire en plein tournage. En plein tournage, je prends cette photo. Pour vous, ouais, je sais, j'ai... Hop. Alors, la petite photo qui va bien. Autofocus, s'il te plaît. Non, on va la refaire. Voilà, parfait. On tweet ça. Ego. Du coup, je me tais pour les cinématiques qu'on a déjà vues et qu'on va revoir encore une fois. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master, he tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Thank you.
Xehanort wants me and Vanitas to fight. And make some kind of keyblade. But the Master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just... put an end to me. Lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! How about you leave the popsicle with me?
So you can go have your little fight with Terra. You can't be too happy about him deep sixing your master. Who are you? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Terra will prove to you he's stronger! Aqua! C'est parti contre Braig. Avec notre cher Aqua. Combat qui va être assez difficile de mémoire. On va voir. Je garde un œil à ma barre de vie. Pas encore enlevé une part de vie quoi. Le problème c'est que je pense pas que mine carrée soit très utile sur Braille. Malheureusement, on va essayer avec Dawn-Tan, mais le problème c'est que je suis trop vulnérable après. Ah putain, ça me touche même en l'air. Ouais, génial. Bon, j'ai déjà fait assez mal, mais pas assez encore. Faudrait peut-être pas que je finisse l'action Dawn-Tan, parce que ça me demande trop de temps après justement. Ouais, mais ça sert à rien de mettre les boucliers et mines, c'est ça le problème. Le problème c'est que si je flotte en l'air, ça ne sert à rien quoi. Allez, crève. Bon, ça va, j'ai failli me faire un peu défoncer au début, mais ça a été par la suite. I keep forgetting don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Fel! Aqua! I'm asking you, as a friend,
Just put an end to me. Gosh, I'm glad you're okay. Goodness. Fen, you're safe. Fen. Oh. His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin. Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Fen his heart back! Et ouais, on combat Vanitas qui a pris possession du corps de Fen avec donc la Keyblade. Et on combat avec Mickey, assez rare pour justement pour BBS, étant donné que c'est le seul combat final qu'on fera en équipe. Et sauf erreur, ce combat-là n'est pas du tout facile. Mais bon. Donc à ce niveau-là, ça change pas... Enfin, j'allais dire oui, j'allais dire que le pattern ne changeait pas trop de Vanitas, mais si quand même. Bon, grosso merdo, c'est un peu toujours le même pattern, hein, plus ou moins, donc il peut se téléporter, etc. Ce qui fait quand même bien plus mal, le salaud. Je n'aime pas trop ça. Aïe 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 aïe. Ah putain, il y a Mickey là-bas, vite, il ou Mickey. Non, putain, j'ai pas vu que tu faisais ton truc là. Ça va, heureusement, il est un peu con, il fonce dans le tas. Ah putain. Pff, Mickey prend trop cher, Mickey. Il est KO. Génial. Aïe 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 aïe. Tant pis, même si je dois rester en l'air, vaut mieux ça. Ah. Je sais qu'il y a moyen d'esquiver son attaque là, mais... me soigner. Bah, sérieux. Ouais, heureusement qu'il y a ça toujours pour lui faire assez mal. Je l'ai eu ? Ah ouais. Putain. Bon, ça va quand même, j'ai galéré mais pas tant que ça.
What's wrong? Giving up already? Tara... Ven... Lend me strength. You're just wasting your energy! Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of Terra. I see. Ven. Ventus! The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever, if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah! Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him.
Bon, et bien voilà, scénario d'Aqua est terminé. Donc, résultat des courses, bah, Ventus s'est fait posséder par Vanitas. Il avait donc la Keyblade. Vanitas voulait donc ouvrir le cœur de tous les mondes, donc forcément Kingdom Hearts, hein, afin que tout le monde se batte, afin que des guerriers de la Keyblade se battent pour sa possession, comme il l'a annoncé. Sauf qu'il a été mis à terre par Aqua, pardon, en détruisant la Keyblade, hein, comme on l'avait su. Cela allait donc détruire Ventus également, parce que la Keyblade, au final, c'est le côté des ténèbres du cœur de Ven, mais aussi son côté de lumière. Et donc, en détruisant la Keyblade, bah, on a détruit le cœur de Ven. De toute façon, comme on l'a vu dans la fin de Ventus, le cœur de celui-ci est totalement fracturé. Et c'est pour ça qu'il trouvera refuge dans le cœur de quelqu'un d'autre. Que je pense vous avez fait le lien depuis, sinon ça va. Non, franchement, si vous avez pas fait le lien encore avec la fin de Ventus et la personne qui mentionne, c'est quand même grave. Et donc voilà, pour l'instant, son cœur est donc endormi. Tant que cette personne, chez qui son cœur ira se loger, n'aura pas ramené le cœur de Ventus. C'est un peu compliqué à dire comme ça, mais en gros, le cœur de Ven est parti trouver refuge dans le cœur d'un autre. Et tant que cette personne n'aura pas ramené le cœur de Ventus à sa place, Ventus restera endormi tel quel, peut-être bien même pour l'éternité, comme dit Yen Sid. Malheureusement, comme on le sait, on n'a aucun signe de Terra. On ne sait pas ce qu'il est devenu, où il est passé. Nous, on sait, mais Aqua ne le sait pas. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, où il est passé. Et puis, voilà. Donc Aqua va se mettre à la recherche de Terra. C'est ce qui fera donc l'objet de l'épisode final. Parce qu'il y a le scénario de Terra, de Ven et de Aqua. Et il y a l'épisode final qui conclut l'histoire. Et l'épisode final, on le fera une prochaine fois. On le fera une prochaine fois, là comme j'ai dit, maintenant que j'ai terminé les trois scénarios, je vais pouvoir me consacrer à remplir les rapports des personnages, donc toutes les commandes, tous les mini-jeux, faire tous les matchs d'arène, qu'est-ce qu'il y a encore, tous les mini-jeux, chasse aux commandes, etc. Vraiment tout remplir, histoire de pouvoir aborder l'épisode final, puis l'épisode secret, et une fois que tout ça sera fait, on fera les boss optionnels également. Voili, voilou. Donc maintenant, je pense qu'ils vont nous... Je sais pas, c'est une petite cinématique. Ou s'ils vont nous dire, voilà, il y a l'épisode final, tatatac, disponible. On verra. Normalement, je crois qu'il y a une petite cinématique. Il me semble, si je dis pas de conneries. Il me semble. Donc ouais, cet épisode va être très court. Ma foi, je m'excuse, hein, mais vous savez que c'est en général assez court. Et donc non, il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas de cinématique. Une bonne amie, voilà. Donc on va faire la petite sauvegarde qui va bien. Ouais, vas-y, go. Tac. Et normalement, il devrait me dire que l'épisode final est disponible. Ah, qui pourrait vous servir à la fin. Félicitations, vous avez débloqué l'épisode final. Pour y jouer, vous devez créer une sauvegarde spéciale. Allons-y. Donc l'épisode final n'est jouable que avec Aqua. Hop. Alors, sauvegarde effectuée pour lancer l'épisode final. Le choix choisi, c'est continuer sur l'écran de titre et charger les données que vous venez de sauvegarder. Merci. Ça me paraît assez évident comme ça. Mais voili voilou.
Alors vite, on va juste passer l'intro pour pas que je me fasse striker encore par la l'excellente chanson d'Utada Hikaru. Tut. 78% quand même. Vous voyez que ça avance. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que vu qu'on a fini un peu plus tôt, je vais vous lire les rapports de Xehanort et on s'arrêtera là. Alors. Lettre de Xehanort. Je suis extrêmement ravi de pouvoir assister à l'ascension de tes élèves au rang de maître. En tant que successeur de notre maître, la tâche qui t'a incombée était difficile, mais tu as persévéré et réussi à former deux élèves tout seul. Je sais que cela n'a pas dû être évident tous les jours. Je t'ai causé beaucoup de tort par le passé, tout cela pour une simple différence de point de vue. Et je t'ai aussi confié mon fardeau il y a quelques années de cela. Je te considère comme mon frère, et pourtant, égoïste comme je suis, je ne t'ai jamais remercié d'avoir accueilli le jeune garçon chez toi. Bien que j'en ai eu plusieurs fois l'occasion. Et pourtant, tu ne m'as jamais fait aucun reproche. Bien au contraire, tu m'invites aujourd'hui à cette importante cérémonie. Je serai donc présent pour t'apporter tout mon soutien. Notre maître a pris une sage décision en te choisissant pour lui succéder. Mais comme notre tâche est ironique, protéger la lumière depuis les ténèbres. Sachant cela, la force de ton cœur et ton dévouement sans faille à la lumière ne cessent de m'impressionner. J'ai parcouru le monde et vu tant de ténèbres dissimulées dans la lumière. Depuis peu, je crains que la situation n'ait empiré. Peut-être Yensid t'a-t-il déjà parlé des Nescients. Ces êtres se nourrissent de la négativité et je sens désormais leur présence dans presque chaque monde. Concernant les ténèbres, je dois te parler d'un autre sujet qui m'inquiète et lié à la cérémonie à venir. Lorsque je t'ai rendu visite il y a quelques années, ton élève Terra a attiré mon attention. Certes, son pouvoir est immense, mais j'ai pu sentir les ténèbres dans son cœur. Celles-ci n'attendent qu'une chose, qu'on les réveille. Je sais que cela ne me concerne aucun cas. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas élever Terra au rang de maître sans prendre quelques précautions préalables. Peut-être devrait-il passer l'examen du symbole de maîtrise. C'est à toi de prendre cette décision et je respecterai ton choix. J'attends de retrouver avec impatience. Rapport de Xehanort 1. Il s'est passé beaucoup de temps depuis que j'ai quitté la terre de mon enfance. J'ai pu visiter une multitude de mondes où j'ai acquis de grandes connaissances. Je vais donc remplir ces pages avec une partie de ce savoir et décrire mon parcours. Avec du recul, je me rends compte que ma vie a pris une tournure radicale lorsque je suis arrivé dans cet endroit. Oui, tout a commencé lorsque j'ai trouvé un maître et une personne que j'ai fini par appeler mon frère dans mon nouveau foyer. Puis il y a eu la Keyblade. Comment nous était-elle parvenue et pour quelles raisons? Lors de mon entraînement en tant que porteur de Keyblade, les préceptes m'ont fourni une réponse claire. La Keyblade permettait à celui qui veillait sur la lumière de protéger le monde contre les ténèbres. Mais était-ce la vraie réponse? Était-il possible qu'il y ait autre chose? Mon cœur a cherché les réponses et je suis donc allé dans d'autres mondes, bien que cela soit interdit et en dehors des missions. J'ai alors trouvé ce que mon cœur cherchait. Notre maître nous avait ordonné de porter une armure lors de nos déplacements entre les mondes, afin de nous protéger des ténèbres. Mais ayant pu sortir leurs forces et leurs pouvoirs dans les entrechemins, je pris la décision de retirer mon armure. On m'avait dit que les ténèbres allaient m'engloutir, mais qu'importe, je trouvais la force de les contrôler. Le monde est vaste, et ceux qui le constituent sont innombrables. À l'instar de petites îles, un océan les sépare et les protège les uns des autres. Chaque monde avait son ordre à lui, et contrairement à nous, ils ne pouvaient connaître le monde dans son ensemble et nous n'avions pas le droit de leur faire part de ces informations. Dans les temps anciens, rien ne séparait les mondes. Il n'y avait aucun mur de lumière pour protéger chaque monde comme c'est le cas aujourd'hui. Rien n'empêchait physiquement un monde de communiquer avec un autre. À cette époque, le monde était rempli de lumière et les porteurs de Keyblade étaient nombreux. Mais sans mur de séparation, les mondes commencèrent à se disputer la lumière. En effet, ils apprirent le véritable but des Keyblades. La guerre éclata tandis que chaque porteur de Keyblade se battait pour s'emparer d'une entité surpuissante appelée Kingdom Hearts. Kingdom Hearts est peut-être décrit comme un cœur, comme un ensemble de cœurs. À l'instar des gens, les mondes ont eux aussi un cœur, mais est invisible et caché derrière une porte secrète. En réunissant tous les cœurs des mondes au même endroit, Kingdom Hearts peut être créé. Le jour où Kingdom Hearts sera complété, on dit que celui qui ouvrira la porte créera le nouveau monde. Mais une telle prouesse n'est pas à la portée de quelconque humain, car celui qui ouvrira la porte renaîtra et deviendra une entité bien plus puissante qu'un simple humain. La lumière et les ténèbres vont de pair, puisque sans les ténèbres, la lumière ne peut exister. La guerre des porteurs de Keyblade pour Kingdom Hearts fut menée par les défenseurs de la lumière. Quant aux serviteurs des ténèbres, ils voulaient réconcilier les deux et ne cherchaient qu'une chose, le pouvoir. Le conflit s'étendit sans commune mesure, et les mondes qui n'étaient pas entrés en guerre la subirent malgré tout. Finalement, le monde entier plongea dans les ténèbres. C'est ainsi que la guerre des Keyblades s'acheva. Et jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à ouvrir la porte de Kingdom Hearts.
Un peu plus tard, le peu de lumière qu'il est resté dans le cœur de certains donna naissance au monde que nous connaissons maintenant, constitué de plusieurs mondes séparés par des murs, de sorte que la guerre des Kyblés ne puisse jamais se reproduire. De nos jours, les voies qui relient les mondes ne peuvent être empruntées que par nous autres, les porteurs de Kyblade, ainsi que ceux qui se sont laissés envahir par les ténèbres. En tant que porteurs de Kyblade, notre devoir est de traverser les gouffres qui séparent les mondes pour protéger ces derniers des ténèbres. Celles-ci corrompent et contaminent tout sur leur passage, et aucun monde ne doit plus jamais être perdu. Il ne reste que peu de porteurs de Kyblade à présent, et je sais qu'en dehors de mon entourage, il n'y en a qu'une poignée. Mais le monde est si vaste qu'il se peut qu'il y en ait d'autres ailleurs. Désormais, hormis le royaume de la lumière où nous vivons, il existe le royaume des ténèbres et celui qui relie les deux entre eux. Le royaume des ténèbres est interdit et raconte que quiconque s'y est rendu n'est jamais revenu. Il existe trois différents types de Kyblade. Les Kyblades de lumière que nous manions, les Kyblades de ténèbres et les Kyblades de cœur. Ce qui distingue les deux premiers types est leur origine. Les Kyblades de ténèbres se trouvent dans le royaume des ténèbres et sont l'équivalent des Kyblades que nous utilisons dans le royaume de la lumière. La troisième type de Kyblade, celui de cœur, est apparu après la fin de la guerre des Kyblades, lorsque le monde a été réorganisé. Sans cette Kyblade, Kingdom Hearts ne pourra jamais être atteint. Ce n'est qu'en réunissant sept cœurs de lumière pure, des cœurs totalement dénués de ténèbres, que l'on pourra créer une Kyblade de cœur afin d'ouvrir la porte de Kingdom Hearts. Donc la Kyblade qu'avait Riku dans KH1 quand il était possédé par Ansem. Et comme je l'ai dit, quiconque ouvrira cette porte dominera tous les mondes, ainsi que leurs habitants. J'ai levé le voile sur le dernier mystère de la Kyblade. Hormis les trois types de Kyblade, il existe une autre Kyblade. Son nom se prononce de la même façon, mais s'écrit bon, X-Blade, hein, mais ça se dit Kyblade. Parce que le X comme ça signifie, enfin, se traduit par Ki. Et bien qu'il ressemble à une Kyblade normale, elle en est totalement différente. On dit que les Kyblades sont des avatars de Kingdom Hearts créés par la main de l'homme. Mais la Kyblade, elle, coexiste avec Kingdom Hearts. Elle ne sera forgée que lorsque deux cœurs de puissance égale s'affronteront, un de lumière pure contre un de ténèbres pures. Et au moment de sa création, Kingdom Hearts apparaîtra alors. Il faut néanmoins souligner que ce Kingdom Hearts est spécial. Contrairement au royaume créé artificiellement en récupérant des cœurs, ce Kingdom Hearts est une symbiose parfaite et totale de tous les cœurs du monde. Et c'est sûrement ce qui est à l'origine de la guerre des Kyblades. Si c'est le cas, les murs qui séparent les mondes de nos jours importeront peu. Grâce à la Kyblade, tous les cœurs des mondes pourront être rassemblés d'un coup et la guerre des Kyblades aura de nouveau lieu. Mon frère d'adoption, Heracus, ne fait que suivre des principes bêtement. Il s'est même convaincu que la lumière est la seule issue. Mais il oublie que la lumière engendre des ténèbres. Je pense qu'il existe un certain équilibre entre lumière et ténèbres dans ce monde, mais que trop de ténèbres ont été étouffées, ce qui menace désormais cet équilibre. Quelqu'un doit mettre un terme à cette tyrannie de la lumière et réorganiser le monde autour des ténèbres tant de fois réprimées. Heracus et Emma n'étant jamais d'accord. Je suis parti et j'ai parcouru le monde. C'est peut-être la première fois que je me sentais libre après avoir quitté mon pays d'origine. Mais libre de quoi? J'avais montré le symbole et j'étais devenu maître de la Kyblade. Mais je ne fus pas choisi pour reprendre le fameux de notre maître. Tout ce qu'il me restait, c'était donc la voie de l'enseignement. En règle générale, les maîtres prennent des élèves, sous leurs ailes. Des esprits malléables à qui inculquer les préceptes de porteurs de Kyblade afin d'assurer la pérennité de notre caste pour les générations futures. Mon heure était-elle venue, après tout ce que j'avais accompli depuis que j'avais abandonné de ma terre natale? Je ne pouvais pas attendre la mort tranquillement alors qu'il me restait tant de choses à voir de mes propres yeux. J'ai donc décidé que mon corps vieillissant avait besoin d'aide. Nous autres, maîtres de la Kyblade, avons un don. Nous pouvons extraire un cœur, que ce soit le nôtre ou celui d'autrui. Et grâce à ceci, il est possible de rester dans le monde des vivants à tout jamais. Garçon, je rêvais de voir le bout du monde. Si j'allais le plus loin possible, alors je verrais un monde que personne d'autre n'avait encore jamais exploré. Et maintenant, je sais quel est ce monde. Si je suis le premier à ouvrir la porte de Kingdom Hearts, je pourrais créer un nouveau monde dans lequel la lumière et les ténèbres cohabiteront en équilibre parfait. J'étais donc là, prisonnier d'un corps mourant, mais en plus de savoir d'un côté et avec un nouvel objectif de l'autre. L'étape suivante était donc claire, me trouver une nouvelle enveloppe, charnelle. C'est alors que j' ai rencontré Ventus et que j'en ai fait mon élève. C'était notre destinée, nous devions nous rencontrer. J'ai senti son potentiel, mais ce garçon était bien trop vertueux. J'ai compris qu'il était trop faible pour devenir mon enveloppe charnelle, et j'ai donc décidé de l'utiliser à d'autres fins. Je devais arracher les ténèbres en lui et les diviser en deux. Ensuite, j'aurais alors mon cœur de lumière pure et un autre de ténèbres pures. Comme il fallait s'y attendre, Ventus ne supporta pas ce supplice. J'ai réussi à lui arracher les ténèbres qui étaient en lui et créer ainsi Vanitas, un être de ténèbres pures. Mais Ventus sombra contaminé dans un profond sommeil.
Le cœur de lumière pure de Ventus et le cœur de ténèbres pure de Vanitas. Si les deux devenaient assez forts un jour pour s'affronter, je savais que la Keyblade pourrait être forgée. Vanitas avait trop pris du cœur de Ventus. Je vis la dernière once de lumière échapper à ce dernier. Le garçon avait le droit de vivre ses derniers instants en paix. L'endroit qui me vint à l'esprit ne fut autre que celui où j'avais passé mon enfance. Mes jambes me portèrent sans faillir et tandis que je me tenais sur cette même plage où j'avais pris ma décision il y a tant d'années, je me dis que rien n'avait changé. Ici, dans ce monde paisible, le temps n'avait pas eu d'effet. Sachant que Ventus trouverait la paix dans ce lieu, je m'éloignais, mais c'est alors que le garçon leva sa Keyblade. La lumière en lui ne s'était pas éteinte. Ventus et Vanitas n'étaient pas de taille l'un face à l'autre. Si je les avais entraînés ensemble, les ténèbres de Vanitas auraient absorbé le peu qu'il restait de Ventus. Comme je devais trouver un endroit où la lumière du garçon puisse s'épanouir, j'ai tout de suite pensé à Heracus et à ses principes. Nos chemins s'étaient séparés, je me suis demandé s'il émettrait des réserves. Mais Heracus fut heureux de me revoir et accepta de prendre soin de Ventus pour moi. Maintenant, il me suffit d'attendre que le cœur du garçon devienne plus fort. Je n'étais pas revenu dans mon deuxième foyer depuis longtemps, et j'ai découvert qu'Heracus avait déjà trouvé deux élèves. En l'un d'eux, Terra, j'ai senti quelque chose. Ce garçon, même s'il est plein de bonnes intentions, a soif de pouvoir. Et ce genre d'appétit nourrit les ténèbres. Ce sera donc lui ma future enveloppe charnelle. Le moment est enfin venu. Heracus m'a informé que ses élèves allaient bientôt devenir maîtres, Terra et Aqua. Ce sera désormais facile de les attirer vers le monde extérieur. Mais sans Ventus, je ne peux rien faire. Vanitas partage ce que ressent Ventus et m'a dit que Terra est la clé. Ventus aime Terra comme un frère depuis que ce dernier lui a donné sa vieille Keyblade en bois. Apparemment, nous avons trouvé le moyen de manipuler le cœur de Ventus. Tout d'abord, je devrais parler à Terra seul à seul, puis je sèmerai les graines du doute dans l'esprit de Ventus. Il partira alors avec sa faible lumière à la recherche de son frère dans les ténèbres. Que les ténèbres renforcent la lumière pour que celle-ci plonge ensuite dans les ténèbres, et lorsque les deux se rencontreront, alors la légende deviendra réalité. Voilà, donc pas mal de petites choses, hein. Donc surtout ce qui est très intéressant à savoir, et là je corrige quelqu'un qui m'avait dit « Non, ils sont frères », non, ils ne sont pas frères, Heracus et Xehanort ne sont pas frères, ils se considèrent comme tels, mais ils ne sont pas frères. C'est peut-être des frères adoptifs ou autres, mais ils ne sont pas frères, biologiques. Donc ce qui est assez intéressant à savoir là, c'est que bon, forcément, on savait l'ambition de Maître Xehanort, hein, donc il cherchait une enveloppe charnelle justement pour passer à travers les âges et donc pouvoir explorer le monde plus loin que personne n'a pu le faire. Donc son sort, il a jeté son évolu sur Terra justement. Et pour ça, il avait besoin de manipuler Ventus et donc Vanitas pour arriver à son terme. On a aussi appris qu'il y avait trois types de Keyblade, donc les ténèbres de lumière, les Keyblades de ténèbres et les Keyblades de cœur. Donc la Keyblade de cœur, comme je vous l'ai dit, c'est celle que Riku Ansem avait dans H1. Vous savez, la Keyblade qui lui a permis d'ouvrir le cœur de Sora, justement. Enfin, la Keyblade que Sora a utilisée comme sacrifice pour rendre son cœur à Kairi. Ça, c'est la Keyblade de cœur. La Keyblade que porte Sora, donc la chaîne royale, ça c'est une Keyblade de lumière. Et la Keyblade que porte Mickey, donc la Keyblade qui est l'inverse de la chaîne royale, donc vous savez, celle qui a le manche argenté et la lame dorée, et ben croyez-le ou non, mais c'est une Keyblade de ténèbres. Et oui, c'est une Keyblade des ténèbres. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec cet épisode pour Aqua. Comme je vous ai dit donc, pour ma part, je vais compléter les rapports des trois personnages. Et on se retrouvera donc... histoire de 92%, là il reste l'épisode final et l'épisode secret. Donc comme je disais, je vous retrouverai bientôt pour l'épisode final avec Aqua. Et donc, l'épisode secret à la toute fin. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite. Et bientôt donc la fin de Birth by Sleep. Allez, prenez soin de vous tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye bye.